Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC 3, le chemin tortueux, voilà c'est ça. Alors dans ce nouveau DLC il y a 3 maps et dans ces 3 maps il y a un nouveau système de zombies, enfin c'est des nouvelles armes, il n'y a pas de boîte à 10, il y a un tout nouveau système, je l'ai expliqué dans ma première vidéo tuto complet pour le chapitre 1 si jamais ça vous intéresse. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment obtenir les singes facilement et très rapidement, et ça, et ce pour tout le monde. Tout le monde peut faire la même technique. Alors avant de vous présenter cette astuce, je tiens à faire une grosse dédicace à Greg76Rohan, car c'est lui qui me l'a indiqué lors de mon live. Donc voilà, c'est la moindre des choses que je lui fasse une grosse dédicace. Donc merci à toi poto. Alors l'astuce, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à aller sur n'importe quelle boîte. En fait, regardez, c'est des boîtes aléatoires. Et vous allez acheter autant d'armes que vous voulez. Et à partir d'un certain moment, après 3, 4, 5, peut-être 6 boîtes. Donc là, c'est la deuxième que je fais. Et ben, vous allez obtenir les diables en boîte. Regardez, je continue. Vous allez voir, ça va pas trop tarder. Alors, c'est pareil pour toutes les maps. Absolument toutes. La map 1, le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Parce que c'est le même système dans toutes les maps. Alors là, ça fait la quatrième, je pense. Cinquième, voilà. Après 5 boîtes, j'ai eu mes diables en boîte. Donc j'en ai 3 équipés et ça, tout le monde peut le faire. Donc franchement, à la manche 2, si vous avez... j'ai fait 5 boîtes, ça m'a coûté 2500 points pour avoir les singes en boîte, enfin les diables en boîte. Et parfois, ça vous coûte que 1500 points. Après, ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec les armes de poing, les armes de base plutôt. Ça marche avec les pistolets mitrailleurs, donc les mitraillettes plutôt. Voilà, ça marche avec tout. Vous pouvez acheter n'importe quelle arme. Et par chance, bah, vous allez tomber sur les diables en boîte si vous l'avez fait plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.